Et bien, salut tout le monde, c'est XVSK. Aujourd'hui, on se retrouve voici une aventure, et peut-être même pour la fin de Dishonored. Hein. Aucun lien avec le grand vide. Pourrions-nous en faire un semblable avec des os? Oh non. Non. Elle pourrait sans doute, avec l'aide de Brenna. Elle a toujours eu un don pour tout ce qui concerne les os. Non. Mais Brenna est morte. La place de nouvelle favorite de Delilah est libre. Tu veux l'impressionner? Tu devrais faire un homme d'ossement. Sans Jindosh, ses jouets mécaniques finiront par se détraquer. Et où les deux meufs? Ils sont passés où là? Ah, elles sont là-bas. Attends, ici. Oh merde, putain, ils ont décidé de bouger, ces connasses. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait des robots? Des motherfucking robots! La machine est en train de recharger la bobine magnétique. Ok, on est à la salle de sécurité. On peut le faire. Ou peut-être pas. Il n'y a pas moyen de les remplir. Ah oui, là. Il nous faut celui-là. On va aller le remplir. Non ? Ah, attendez, je suis peut-être débile en fait. Si je fais ça. Non, merde, comment est-ce qu'on les remplit encore ces trucs? Ah, je ne me rappelle plus. Ah, elle là. Con. J'avais pas vu la petite manivelle sur le côté. Grâce au courant, je vais prendre l'ascenseur jusqu'à la salle du trône. Il y a une odeur de graisse brûlée dans l'air, ma sœur. Serait-ce notre maîtresse qui avait gagné la chimie? Du ventre des machines digérant l'huile des Léviathans des profondeurs. Nous devrions aller voir qui a rappelé les êtres de métal sans vie. Et hop! Allez, Alex. Allez, Alex. Essayons d'être le plus discret possible.
c'est bon, on est pas dégueu. On va pouvoir retourner par là où est-ce qu'on était passé. Ouf. Il va y avoir des ennemis. Il y a un ennemi. Y'a personne. J'ai cru entendre quelque chose. Y'a un chien là. C'est un bruit. Ah, d'accord, là, il y a un putain de chien. Comment ça se fait qu'il y avait un chien au-dessus? J'ai pas trop compris là. Alors, on nous met un chien au-dessus en mode je surveille. Par contre, faudra m'expliquer comment votre grognasse elle a su que j'étais là quand même. Hein. J'ai pas compris. Hein. Elle s'est téléportée là d'un coup, juste à côté de moi en plus. Je sais pas comment elle a fait. Bon, c'est là que l'enfer commence. Vous allez me ramener et mourir par ma main. Pourquoi je sens que j'ai oublié de faire un truc important? Lena est morte, disparue à jamais. Quelle tragédie. Là-bas, quelque part, l'imbécile qui avait su séduire Jessamine prépare sa contre-attaque. Lucas, mon amour, on m'informe que tu as changé ton fusil d'épaule ou que tu as perdu l'esprit. Ah,
Attends ma cocotte. Mais il en faut plus pour m'impressionner. Je vais t'anéantir et le cercle. Et où? Si tu avais vécu la moitié de ce que j'ai traversé. Si tu avais vécu la moitié de ce que j'ai traversé, gna gna gna. Je te sculpterais dans le marbre glacial. Dans le grand vide pour l'éternité, Delila. Je vais tout expliquer. Après la mort du duc, un personnage de l'ombre a émergé des bas-fonds pour prendre sa place. Paolo était venu au monde sans un sou, et il comptait bien le quitter avec une montagne d'or. Les voies du pouvoir, comme celles du destin, sont parfois impénétrables. À Dunwall, Delila Copperspoon a trouvé la mort, et son cercle a été anéanti. Mettant fin à leur pathétique coup d'état. L'impératrice légitime a repris le trône qui était le sien. Surnommée Émilie la Vengeresse, elle a fait exécuter tous ceux qui l'avaient trahi et a entrepris de régner sur son empire aux côtés de son père, le légendaire Corvo Atano. En son temps, Anton Sokolov a posé les jalons d'une révolution industrielle qui a changé l'Empire à jamais. Il a vu ses machines servir la guerre et l'oppression pour permettre aux puissants d'écraser les plus faibles. Faisant ses adieux à Dunwall, il a rassemblé ses dernières forces et est parti pour le Nord glacial, laissant derrière lui les rêves brisés de l'homme qu'il n'a pas su être.
Malgré tous nos efforts, certaines choses ne changent jamais. Certaines questions restent toujours en suspens. Alors que Megan Foster cessait d'exister, Bill Lurk a émergé dans son ombre, bien décidé à découvrir qui elle était vraiment et à retrouver la seule famille qu'elle ait jamais eue. C'est tout ? C'est tout ? Ah, y'a toujours pas le New Game Plus ? Je fais une nouvelle partie. Ah non, y'a toujours pas de nouvelle partie plus, ça. C'est dommage ! Les développeurs avaient dit qu'ils allaient mettre un New Game Plus prochainement. Bon, il doit pas être encore là, alors. Bon ben voilà, c'est sur ces 16 minutes de vidéo environ qu'on va se rester ici. Mais d'abord on va donner notre avis, hein. Bon, franchement c'était sympa, mais je vous avouerai que je suis pas expert en infiltration, vous savez bien. Vous l'avez vu depuis le début de Let's Play, je suis vraiment pas un expert en infiltration. J'ai fait de mon mieux vers la moitié du jeu, mais voilà, ça s'est révélé assez étrange. Pourtant j'ai l'impression de bien faire, mais étrangement je vois quand même que je me fais détecter par moment, je comprends pas. Je ne comprends pas comment je fais, peut-être que le fait de faire charger une sauvegarde après s'être fait détecter se fait quand même compter à la détection, une connerie dans le genre, je sais pas. Pourtant j'ai eu l'impression d'avoir bien fait, de ne pas être trop fait spotter. Je sais pas, là il était marqué que je m'étais fait spotter combien de fois, 7 fois, alors que moi j'en avais compté à peine peut-être 3 sans plus avec les chargements. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas trop compris. C'est pas grave ça en soi. Bref, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert en infiltration. J'essaie de faire de mon mieux pour la fin. Ça a payé plus ou moins, on va dire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu? Ben plein de choses. Tout d'abord, on pourra reparler de l'optimisation, hein, que ce soit sur console ou sur PC. Elle est pas terrible, hein, je pense que vous devez déjà le savoir. Sur PC, on est quand même mieux loti dans le sens où est-ce que c'est très rare, où est-ce qu'on descend en dessous des 30 FPS, ce qui n'est pas le cas sur console malheureusement. Le problème c'est que le jeu peine à maintenir les 60 sur PC. Pourtant j'ai quand même une config assez puissante. J'ai quand même un Intel Core i7 4790K avec 16 Go de RAM et une GTX 1080. Donc techniquement c'est pas ça qui devrait poser problème. C'est pas la machine qui pose problème là, c'est le jeu. Il a été optimisé avec les pieds, ce qui est étonnant venant de Arkane Studio quand même, parce que Arkane Studio est quand même un studio réputé pour être assez pro PC, on va dire. Non, peut-être que leur rachat par Bethesda a provoqué ça, on ne sait pas, parce que vous savez, entre temps il y a eu le coup de... où est-ce que Bethesda avait... Oui, je dis Bethesda parce que je dis plus Bethesda, maintenant c'est Bethesda. Voilà, donc Bethesda a dit qu'il ne voulait plus envoyer les reviews, enfin des jeux à la presse avant la sortie officielle. Pourquoi? Parce que Doom a été un exemple. Le jeu Doom a été un exemple, une franche réussite, que ce soit en termes d'optimisation, de gameplay, tout ça. Il n'avait pas forcément spécialement besoin de review parce que le jeu en soi était presque parfait, mis à part sur l'aspect multijoueur, c'est vrai, mais bon, l'aspect multijoueur, je suis pas trop regardant là-dessus. Donc niveau campagne, Doom, je savais qu'il allait être excellent, et quand il est sorti, je savais que ID Software avait fait un très bon boulot. ID Software qui fait un mauvais boulot sur PC, c'est impossible. Je vois mal ID Software foirer un jeu PC. Donc voilà, ça j'étais bon, pas forcément eu besoin de review pour Doom, parce que voilà, c'est vrai que lui c'est l'exemple même de la franche réussite. Et donc à mon avis, Bethesda s'est sûrement dit que c'était plus la peine d'envoyer des reviews, parce qu'ils pensaient peut-être que leur jeu était parfait. Bon, quand on voit Skyrim Special Edition, il faudrait peut-être vous sortir le doigt du cul, Bethesda un peu, là. Et donc voilà, maintenant on nous sort Dishonored 2, et voilà, rebelote, problème. je sais pas comment ils ont pas vu ça. Je ne sais pas comment ils ont fait pour pas voir ça. Je sais pas comment ils se sont dit intérieurement. Ouais mais vous verrez, ça va être bon, vous inquiétez pas. De toute façon, au pire, il y a la PS4 Pro qui sort, hein, on fera un patch et puis c'est bon. Donc voilà. Niveau optimisation, c'est un peu la chiure. C'est pas dégueulasse en soi, mais c'est quand même la chiure.
Voilà, niveau durée de vie, j'ai l'impression qu'il est plus court que le premier épisode. On en a combien? Laissez-moi regarder. Ouais, on en est à 8h30 de jeu. 8h30 de jeu, c'est pas énorme pour 10 ans. Il me semble que le premier était beaucoup plus long. En tout cas, à mes souvenirs, il était beaucoup plus long. Je crois que dans les tests, il disait 10-20 heures de jeu. Bon, bah, c'est raté pour les 10-20 heures de jeu. On me dira encore, ouais, mec, tu rushes. Mais non, je rush pas, je joue à mon aise, là. Je joue à mon aise, je joue normalement, là. J'ai toujours joué comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc, mais en soi, le scénario était franchement sympathique. Les musiques, comme d'habitude, c'est du bon. Niveau gameplay, bah, c'est... Bah, là, vu qu'on a joué Corvo, bah, on a retrouvé tous les classiques de Dishonored 1. En soi, et donc c'est vrai qu'on a peut-être dû... J'aurais peut-être dû jouer avec Emily Caldwin au début, plutôt que Corvo. Mais le problème c'est que je voulais... Vu que c'était le héros du 1, je voulais que ce soit le héros du 2. Emily, je sais pas si je ferais ça. Je ferais peut-être pas un let's play sur elle, mais j'essaierais peut-être de montrer la fin qu'elle donne, elle. Maintenant, je pense pas qu'il y aura de grandes différences entre les deux. Faudra vérifier. Mais bon, en soi, c'est une semi-déception. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu, mais les soucis techniques font que voilà, et c'est un peu entaché par ça, quoi. C'est vraiment sa plus grosse star, c'est vraiment l'optimisation du jeu qui a été vraiment fait la truelle, j'ai l'impression. Comme je l'ai dit, il y a des pires truelles que ça, ça c'est sûr, mais venant d'un studio comme Arkane Studio, on s'attendait à mieux, on s'attendait clairement à mieux. Maintenant, je n'ai pas regretté d'y avoir joué ou quoi que ce soit, hein. Franchement, c'était une super expérience, hein. J'ai super kiffé. Mais l'expérience est quand même un peu entachée par ces soucis techniques. En tout cas, je vous plains si vous avez joué sur console, parce que j'ai entendu dire que certains passages descendaient à 15 FPS, donc ça devait être vraiment ignoble pour certains d'entre vous. Mais voilà. Dishonored, c'est une bonne licence. Mais j'espère que s'il y a un 3, ils vont nous corriger ça, quoi. Qu'ils vont pas partir dans leur délire de nous ressortir un jeu pas forcément bien fini. Mais sinon, j'ai aimé, j'ai kiffé, je vous le recommande à tous. Que vous soyez pro-infiltration ou pas pro-infiltration, de toute façon, les deux marchent dans ce jeu. Vous avez bien pu le voir au début. Hein. D'ailleurs, je trouvais que jouer sans infiltration donnait au jeu un petit côté Bioshock-like, je sais pas pourquoi. Mais, enfin, voilà, c'est deux expériences différentes en fonction de la façon dont vous allez jouer. Maintenant, il nous reste plus qu'à attendre près. Dont je sens la grosse déception venir. Bah oui, parce que c'est développé par Arkane Studio, mais c'est pas forcément parce que c'est développé par Arkane Studio que je sens venir la grosse déception. Enfin, on verra en temps et en heure. Mais je vais quand même vous donner mon point de vue avant d'y aller. Après, j'ai connu le premier jeu. Je sais sur quoi les mécaniques du jeu se reposaient. Je trouvais que Prey 2, qui a été un projet totalement annulé, avait plus d'avenir que le prochain Prey, parce que le prochain Prey ressemble à une espèce de Bioshock, Dead Space. C'est très très loin de ce que... de la vision qu'était le premier Prey. C'était... Enfin, en même temps, le premier Prey était vraiment... et assez relou, où est-ce qu'on jouait une espèce de indien capturé par des extraterrestres, dont l'esprit pouvait se détacher de son corps, et qui jouait beaucoup sur la gravité, énormément sur la gravité, sur les portails. Et là, on va se retrouver à une espèce de Bioshock-like sans réelle âme, j'ai l'impression. Façon Dead Space. Donc, je sais pas. Je sais pas pour près. Je vais attendre que je sorte. Mais je sais que je vais être déçu parce que le 2 avait l'air beaucoup plus ambitieux. Le 2 proposait carrément un truc galactique où est-ce qu'on deviendrait un chasseur de l'espace, essayer de capturer des cibles. Bref, un Bounty Hunter en gros. Un chasseur de. Je sais plus comment est-ce qu'on dit le mot. Bref, un chasseur quoi, on aurait incarné un chasseur qui se balade dans la galaxie à essayer de rechercher ses proies, enfin ses futures victimes ou ses nouvelles... enfin voilà quoi, enfin voilà. L'idée de Prey 2 m'intéressait plus que l'idée du nouveau Prey, du reboot de Prey. Voilà, ça c'est dit. Allez, sur ce, je vais vous laisser ici. Sur cette fin de Esplat de Dishonored 2. Donc, comme je l'ai dit, j'essaierai de voir si je peux essayer de vous proposer d'autres fins. Plus tard, hein, parce que là, j'ai du Dark Souls à faire. Mais bon, j'essaierai. Je vous promets rien, mais j'essaierai. Allez, pour ce, les loulous, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... Houii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 i
Comme d'habitude, j'ai trouvé pour le cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti. Et que l'amour du PBS soit avec vous. Peace.